Radio Public Africaine. Radio Public Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Le 26 septembre 2024, c'est la date d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition dont voici les principaux titres. Ils accusent les membres du CNDD-FDD de les menacer. Certains habitants de la colline Rugasa, en commune Rugavira, seraient obligés d'adhérer de force au parti au pouvoir. Nous nous rendrons tout à l'heure dans la province Kirundo. C'est surtout la mauvaise gouvernance et les décisions prises depuis 2005 qui ont réduit le niveau du secteur de l'éducation au Burundi. Eulalie Nibizi répond aux récentes déclarations du ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Elle va s'exprimer au cours du journal. Dans cette édition, nous allons également parler de la pénurie du carburant signalé dans la commune Mabayi, c'est en province Cibitoke. Dans un instant, le développement du journal. Une personne a été tuée par balle ce matin dans les alentours des bureaux de la commune Gitega, c'est en pleine capitale politique du Burundi. La victime, qui n'a pas jusqu'ici été identifiée, avait escaladé la clôture de l'espace qui héberge l'antenne de la société de télécommunication Lumitel. C'est l'un des policiers en position au bureau de la commune Gitega qui lui a tiré dessus. Quittons Gitega pour nous rendre à Bururi, où une famille de la zone Vinyuro, commune Vianda, demande à la justice d'accélérer le mouvement pour que le dossier de la femme qui est accusée de meurtre de son mari soit examiné devant le juge. La famille du disparu s'inquiète du fait que l'accusé, qui vient de passer presque 2 mois en détention préventive, pourrait être libéré sans être jugé. Clovis Nyonzima. Fait Jean-Pierre Ndikumagenge, alias Masuguru, est mort le matin du 8 août 2024. Les voisins et la famille font savoir que le défunt a été tué, un meurtre dont le suspect est Geneviève Nyonsawa, la femme de la victime, selon notre source sur la colline Gihinga. Le matin du meurtre, poursuit notre source, la femme de la victime s'est empressée d'aller alerter les voisins comme quoi son mari est mort de saignement de nez, ce qui n'a pas convaincu personne car la victime présentait des blessures au niveau du visage et montrer des traces de lutte et d'autres éléments qui montraient que la femme en savait trop sur la mort de son mari. Ceux qui sont arrivés, les premiers sur la scène du crime, ont découvert que la cour était pareillée et cette femme avait déjà nettoyé le corps des défaits et lui avait mis des habits propres. 5 jours après le meurtre, on a découvert les habits que porte le défunt au moment du meurtre derrière la maison où il s'était caché car quelqu'un était allé se doucher à cet endroit. La famille de la victime demande à la justice de tout faire pour que Geneviève Nyonsaba, accusée du meurtre de son mari, soit jugée par la justice, surtout qu'ils craignent que l'accusé puisse être relâché sans procès. Puisque les jours qui viennent de se passer sont nombreux, sans nouvelles de l'affaire, vu les éléments à charge que nous avons fournis à la justice de Bururi, nous demandons à la justice de faire bien son travail et d'exiger d'elle de donner le nom de ses complices. Ainsi, c'est à la justice. Au sein de la rédaction de la RPA, nous n'avons pas encore pu joindre le parquet de Bururi pour qu'il s'exprime sur les inquiétudes de la famille du défunt. Dans un instant, nous parlons politique. RPA. Certains habitants de la colline Rugasa, située en commune Rugavira de la province Kirundo, s'inquiètent des menaces leur proférées par des membres du parti CNDD-FDD qui les forceraient d'adhérer au parti au pouvoir avant les prochaines élections. Ces militants de l'opposition, pour la plupart, indiquent que les membres du CNDD-FDD arrivent même à exiger aux commerçants de ne plus leur vendre leurs produits. Éloge Divin Remesha nous en dit plus.
à la tête d'un groupe qui intimide des habitants de la colline Rugasa, située en commune de Bugabira, se trouve le nommé Jean-Christophe Ruremesha, responsable du parti CNDD-FDD au niveau de la dite colline. Ce dernier et certains Imonelakure sont accusés de menacer surtout les membres des partis de l'opposition en leur disant qu'ils seront malmenés s'ils n'adhèrent pas au parti au pouvoir. Autre chose, Jean-Christophe Ruremesha, accompagné d'Imonelakure, profère des menaces aux commerçants en leur exigeant de ne plus compter parmi leurs clients des membres des partis de l'opposition. Cet habitant de Bugabira témoigne. S'il vous trouve à deux en train de discuter, il vous dit que s'ils vous voient ensemble, vous aurez de graves ennuis. Il menace même des commerçants à leur exigeant de ne plus vendre des produits à des opposants au parti. Nos sources sur la colline de Rugasa révèlent qu'il y a une réunion qui a été organisée il y a plus d'une semaine par la représentation du CNDD-FDD sur cette colline à laquelle les participants sont convenus de faire ce qu'ils ont dénommé Gurongora, un terme qui sous-entend le fait de mater tous les opposants selon nos sources. Une d'entre elles craint des échauffourées qui pourraient naître de cette intolérance politique. Cette intolérance est politique pure et simple, et cela constitue aussi de l'entrave aux libertés politiques dont jouissent tous les mondes. Nous trouvons que dans les prochains jours, la situation pourrait s'aggraver surtout durant la période électorale. Il y a des signes qui montrent qu'il peut y avoir des disputes entre des membres de différents partis politiques. La RPA téléphonait Jean-Christophe Ruremesha, accusé d'être derrière les menaces proférées aux militants des partis de l'opposition pour recueillir sa réaction. Il nous a répondu que les accusations portées contre lui sont incorrectes. Nous avons également téléphoné Eric Ndzweni Mana, administrateur de la commune de Bugabira. Ce dernier nous a répondu qu'il n'était pas au courant de cette situation et a demandé aux personnes ayant subi des menaces d'aller le rencontrer pour qu'ils puissent suivre leur cas. L'ordre des médecins, et plus particulièrement les médecins prestants à l'hôpital Roi Khaled, ne devraient pas garder le silence face au traitement inhumain subi par Dr Christophe Sahabo, l'épidémiologiste. Comme Konakuze appelle les médecins burundais à refuser d'être instrumentalisés par le pouvoir en place et de faire valoir leur déontologie, suivez plutôt l'épidémiologiste comme Konakuze. Le collectif du personnel soignant, des associations médicales ou de soutien aux patients se trouvant dans le pays, plus particulièrement dans l'hôpital Roi Khaled, devrait porter à la connaissance du public, à tout le monde, mais aussi se joindre pour refuser catégoriquement cette pratique du ministère de la Justice ou de la garde pénitentiaire d'extirper un patient admis dans leurs institutions sans toutefois être déchargé, comme la déontologie le stipule. Il devrait aussi assister à la justice pour Monsieur Christophe Sahabo en donnant tous les éléments possibles qui ont fait que les circonstances qui ont donné lieu à cette extirpation de Christophe Sahabo de cet hôpital alors qu'il n'était pas déchargé par ses médecins. C'est important parce que c'est contre la pratique médicale. Un patient admis doit être déchargé uniquement par son médecin qui l'a admis dans l'hôpital et pas une autre personne. Et puis en plus, vous savez bien qu'un hôpital, c'est un lieu pour guérir. C'est pas un lieu pour faire soit la politique ou l'emprisonnement ou faire ce qu'on veut, alors que c'est déjà un lieu spécialisé pour guérir les patients. Vous savez bien qu'une vie perdue, inutilement, c'est un échec énorme pour ce personnel soignant. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Katiburundi recommande aux autorités judiciaires, y compris le ministre de la Justice, de prendre des mesures immédiates afin
de désengorger la prison centrale de Muramvya. Ceci transparaît dans la déclaration de cette association sortie aujourd'hui, à travers laquelle elle dénonce les violations des droits humains commises à l'égard des détenus de cette prison, des détenus qui manquent d'abri, de l'eau et de l'électricité. Suivez Maître Jean-Claude Niwurumunsi, c'est le chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi. ACAT Burundi vient de sortir un communiqué à travers lequel elle dénonce les souffrances qu'est en train de vivre la population carcérale de la prison centrale de Muramvya. Cette prison conçue pour accueillir un maximum de 100 détenus est aujourd'hui confrontée à une surpopulation carcérale alarmante. Le mois passé, la prison a atteint un effectif de 1100 détenus et aujourd'hui on entend qu'au lieu de diminuer, l'effectif continue toujours à grimper. La surpopulation endémique qui règne dans cette prison entraîne des conditions de vie extrêmement précaires pour les détenus. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas un espace suffisant pour contenir cet effectif très élevé de détenus par rapport à la capacité d'accueil. En plus de ce problème d'hébergement, la prison centrale souffre également d'une grave pénurie d'eau potable et des coupures d'électricité qui sont répétitives. Il y a aussi l'absence des infrastructures sanitaires adéquates. Les toilettes sont très peu nombreuses si on tient compte de la population carcérale actuelle. Il y a aussi le non-respect de la dignité humaine. Les conditions de détention ne respectent pas les principes fondamentaux relatifs aux droits humains. Il y a à noter que chaque détenu a le droit de satisfaire à ses besoins primaires dans le respect de sa dignité. Malgré des efforts de désengrangement que nous on peut taxer de timides, il n'y a pas vraiment une solution durable par rapport à cette surpopulation carcérale que nous observons dans différentes maisons de détention, prison de Muramvya en particulier. Les libérations qui ont eu lieu sont souvent qualifiées de timides car le nombre de détenus qui sortent reste largement inférieur à celui des nouveaux arrivants. Donc ce phénomène est amplifié par un système judiciaire où la détention préventive est fréquemment utilisée, parfois même abusivement, pour des longues périodes. Nous appelons donc au ministère de la Justice qui est en charge de l'organisation des établissements pénitentiaires qu'il est impératif de prendre des mesures immédiates pour désengorger les prisons et en particulier celles de Muramvya. Il est nécessaire d'adopter des politiques pénales alternatives telles que les peines non privatives de liberté. Aux autorités judiciaires, il est primordial que celles-ci appliquent rigoureusement les textes légaux en matière de détention préventive et de libération conditionnelle. Le respect du principe de la proportionnalité entre gravité des infractions et les peines prononcées doit guider aussi les décisions judiciaires. Il est temps de rappeler que la privation de liberté doit rester une mesure exceptionnelle et non la norme. Dans un instant, nous parlons éducation. C'est vrai que la crise et les différentes difficultés qu'a traversé le Burundi ont affecté le secteur de l'éducation, mais en grande partie c'est la mauvaise gouvernance et les décisions prises depuis 2005 qui ont fait chuter l'éducation dans le pays. C'est ce que déclare Eulalie Nivizi qui suit de près l'éducation au Burundi. Selon Eulalie Nivizi, les nouveaux programmes qui ont été adoptés dans ce secteur n'étaient pas bien analysés. Suivez Eulalie Nivizi qui suit de près l'éducation au Burundi. Ce ne sont pas les enseignants, ce ne sont pas les crises tellement qui ont causé la baisse du niveau de l'éducation. Le grand problème au Burundi, c'est la mauvaise gouvernance. Le Burundi a eu des opportunités pour relever son niveau d'éducation. En période de post-conflit, le Burundi a bénéficié de plusieurs appuis dans le cadre des programmes mondiaux. D'abord, par rapport au programme de consolidation de la paix dans le cadre de la mise en application de l'accord d'Arusha, le Burundi a bénéficié d'un appui, mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement du millénaire, mais aussi des objectifs pour le développement durable. Le gouvernement du Burundi a bénéficié de ses appuis, mais la mauvaise gouvernance a dérouté les partenaires d'une part en 2005, alors que le Burundi devait agir en facilitant l'accès à l'éducation par le retour à l'école des enfants touchés par la crise, avec beaucoup de rapatriés, avec beaucoup de retours à l'école. Le Burundi y a introduit des programmes qui n'étaient pas prévus ni
dans le budget, ni dans le plan du ministère ayant l'éducation dans ses attributions. Il a introduit l'enseignement du Kiswahili, l'enseignement de l'anglais, mais aussi la gratuité des frais scolaires pour toute l'école primaire, alors que ça devait être des programmes qui devaient entrer progressivement dans le système afin de planifier d'abord, de prévoir les infrastructures, les manuels scolaires, les professeurs, de prévoir tous les outils nécessaires pour introduire ces programmes. Le Burundi a décidé de suivre un agenda politique qui n'était même pas écrit et on s'est heurté à une affluence de beaucoup d'élèves, une affluence de beaucoup de programmes. Ce n'était même pas écrit nulle part, à tel point qu'en 2006, le gouvernement du Burundi a osé entamer des programmes qui se trouvaient dans une lettre de politique, mais qui n'étaient dans aucun plan d'action et qui n'étaient validés par aucun organe, c'est-à-dire le Parlement n'avait pas voté le budget et ça a été une bousculade et un arrêt de tout ce qui était en cours pour la revue des programmes. Et cela a couvert avant même la crise de 2015, nous nous sommes retrouvés avec des programmes parachutés, comme par exemple l'introduction de l'école fondamentale. En 2013, les programmes de l'école fondamentale n'étaient pas en place, le budget pour démarrer l'école fondamentale n'était pas en place, et déjà en septembre, il a été déclaré que l'école fondamentale commence. Ils ont commencé l'école fondamentale par le niveau supérieur, au lieu de commencer par l'école primaire et d'y aller progressivement. Alors, ces programmes qui ont été parachutés, sans budget, sans plan, ça bouscule non seulement les gestionnaires des écoles, et ça bouscule les classes, et les techniciens ne sont pas considérés. En plus de cela, les relations entre le Burundi et les autres pays n'ont pas été bonnes depuis très longtemps, ce qui a fait que la plupart des budgets alloués pour différents projets de développement n'ont pas été bien gérés, ce qui a perturbé aussi l'apprentissage des élèves. Encore une fois, Eulalie Nivizi. À côté de la mauvaise gouvernance du système éducatif, il s'est aussi suivi la mauvaise gouvernance de l'école parce que les écoles ont été dirigées par des personnes politiquement actives. Au lieu de nommer des professeurs, des enseignants qui sont qualifiés, des enseignants qui ont un niveau élevé au niveau pédagogique et au niveau scientifique et qui sont capables d'encadrer les autres enseignants, la nomination s'est fondée sur des critères politiques et cela a fait que même au niveau du recrutement des enseignants dans les communes, ce sont les critères politiques qui ont guidé Forda Rocha. Au lieu de prendre ses responsabilités, il a passé à la répression de ceux qui ont contesté et ça s'est installé l'insécurité. Les mauvaises relations avec les activistes des droits humains, mais aussi les mauvaises relations avec les partenaires techniques et financiers. Et le Burundi, alors, a raté les opportunités d'avoir des appuis budgétaires, d'avoir des crédits, et cela a affaibli le système financier. La mauvaise gestion de la chose publique, et la Banque centrale étant actuellement vide de devises, les caisses de l'État étant vides, le franc burundais ayant connu une dévaluation flagrante, vous comprenez que le Burundi ne peut pas importer, aucun matériel. Et la Nivizi réagit après que le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a annoncé que c'est la crise qu'a traversé le Burundi qui a causé la dégradation de l'éducation dans le pays. Je vous en parlais en titre. La pénurie du carburant semble avoir donné aux chauffeurs du secteur de transport en commun en commune Mabayi de la province Cibitoke le droit de violer toutes les règles en rapport avec le chargement. Les motards et les chauffeurs des minibus donnent des pots de vin aux policiers pour charger comme ils veulent. La population trouve que c'est une pratique qui met les passagers en danger. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Chaque matin, avant de consommer la journée de travail, les chauffeurs travaillant dans le secteur de transport en commun, aussi bien ceux de la moto et ceux des véhicules, effectuent une visite de courtoisie chez les policiers. Ils n'y vont pas, mais vides. Les motards y vont avec 5000 francs et ceux de véhicules avec 10 000 francs. Cet argent leur acquis le droit de travailler toute la journée, surtout de charger comme bon les semble sans aucune inquiétude. C'est de l'argent qu'ils consomment au péril de la vie des citoyens. Tenez, une moto habituellement à deux places
une pour le chauffeur et une pour le passager. En commune Mavaï, il peut transporter jusqu'à 5 personnes, le chauffeur y compris. Une voiture dite Probox transporte normalement 5 personnes. Cependant, en commune Mavaï, il peut transporter jusqu'aux 16 personnes. 3 se placent si l'espace de devant à côté du chauffeur. 6 si la place de la dernière et 6 autres à l'arrière de la voiture, espace habituellement réservé aux bagages, sinon aux marchandises. Un minibus de type IAS qui a habituellement une assurance de 18 personnes peut en commune Mavaï transporter de jusqu'à 30 personnes assises et peu importe dans quelles conditions prise d'autres rendez-vous près du convoyeur. Pour les motards, ce sont des transports internes dans la commune, mais des fois transicommunaux. Pour les véhicules, ce sont des transports transicommunaux, voire transiprovinciaux. Selon nos sources sur place de cette pratique, c'est beaucoup développé avec la crise interminable du carburant. Une des administratives de la commune Mavaï a reconnu que l'administration est au courant de cette pratique. Toutefois, cet administratif qui a requis l'anonymat jette le tort aux citoyens. Pour lui, plusieurs réunions de sensibilisation ont été tenues, mais les citoyens font la sourde oreille, dit-elle. La rédaction a également cherché Jacques Nijimbele, commissaire provincial de police, mais il était injoignable sur son téléphone portable. Pour clore cette édition, rendons-nous à Mwaro où les habitants de la commune Gisozi s'inquiètent de la saison sèche et prolongée. Ils indiquent que même dans les marais, les cultures ont séché parce qu'il ne pleut pas. La situation a pour conséquence l'augmentation des prix des denrées alimentaires dans les marchés. Le point avec Rémi Delagakura. La pluie tarde à pleuvoir. La saison sèche se prolonge. Les champs dans les marais commencent à en souffrir. Une situation qui inquiète plus d'un parmi les habitants de la commune Gisozi en province Mwaro. Ils craignent la famine, comme le précise cet habitant. Nous craignons qu'il y ait la famine. On n'est pas habitué à entrer de pont pour cette période. On avait l'habitude que la pluie tombe tout au début du mois de septembre. C'est normalement cette pluie qui aide l'agriculture des marais comme les pommes de terre. La patate douce et le maïs à se relever. Des signes précurseurs commencent déjà à se manifester. C'est entre autres les prix des denrées locales qui ont augmenté dans les marchés. Telle période devrait être la période de récolte et un kilo de pommes de terre acheté entre 600 et 700 là. Mais regardez aujourd'hui, un kilo de pommes de terre coûte 1500 plats. Tu dois comprendre que la situation est pire. Et puis, ce n'est pas seulement pour les pommes de terre. Il y a également patates douces qui ont monté de prix. Avant, un panier de patates douces se vendait à 1000 francs. Mais à présent, les patates douces sont vendues par kilo. La quantité qui peut remplir le même panier coûte 5000. Le haricot n'a également pas de la pluie en suffisance. Son prix a aussi augmenté. Avant, le prix d'un kilo de haricot variait entre 1800 et 2000 francs, mais actuellement, il est vendu entre 2800 et 3000 francs. Cette situation est exacerbée par la crise du carburant prolongée à travers tout le pays. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 26 septembre 2024. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.